Je m'appelle Sébastien Brousseau, je travaille actuellement chez Ampli Studio, qui est une filiale de Sega. Moi, mon travail consiste à développer l'intelligence artificielle du jeu en l'espèce 2, et donc réussir à prendre la place d'un joueur et pouvoir réagir comme un joueur tout le long de la partie. Je vais travailler avec les game designers qui vont m'expliquer les nouvelles fonctionnalités qu'il y a dans le jeu et je vais devoir les faire comprendre à l'IA et essayer de faire toute cette conception et l'implémentation jusqu'à un résultat final qui donne de la vie au jeu et donc avoir des factions qui ressemblent vraiment à des vrais joueurs. C'est-à-dire que moi je vais faire la conception puis le développement en écrivant tout le code puis une partie de test et arriver jusqu'au résultat. C'est-à-dire je vais faire de A à Z tout ce qui est en rapport avec l'IA. Alors moi, Epita, ça m'a permis d'avoir justement cette rigueur technique. Dans toute ma carrière, ça a toujours été sur un point dans lequel j'ai pu m'appuyer et pouvoir trouver un emploi toujours très facilement grâce à ça. Par exemple, là, chez Amplitude, c'est grâce à ma spécialisation qui a été SCIA, où j'avais tout le bagage justement intelligence artificielle et ne pas avoir à m'embêter avec l'aspect technique. Et j'ai pu juste travailler sur ce que j'avais envie. Principalement, ne pas oublier justement cet aspect technique. C'est quelque chose qui est primordial et c'est si on ne l'a pas, on peut être bon partout autre part, mais il faut avoir un bagage technique suffisant pour avancer. C'est vraiment quelque chose sur lequel s'appuyer, c'est ce pourquoi on a été formé. Danse. Passion. Opiniâtre. Échange. Pour pouvoir choisir le travail qu'il va vouloir faire par la suite.